En ce mois de juin 2022, dans les feux de Hell, Amour sur TF1, Michael, le frère de Kevin, a dû renoncer à défendre Nick face à Adam. Pour rappel, Kevin a passé un pacte avec Adam, suite à la Liberation de Klon. Il doit travailler pour lui et doit décrédibiliser Nick afin qu'Hélène obtienne pas la garde de Christian. Ainsi, Klon a dû quitter Kevin. Elle est retourne chez elle, en Oregon. Pourtant, la jeune femme pourrait revenir avec sa fille, Bella Fisher. De plus, Kevin devait rester quelques jours à Genoa City. Finalement, il est obligé d'être le serviteur d'Adam et doit donc rester en ville. De ce fait, Klon pourrait prochainement revenir à Genoa City avec son enfant. Un retour qui pourrait surprendre, notamment Adam. Kevin est interprété par Greg Rican et Klon par Elisabeth Hendrickson. Les deux acteurs pourraient rester dans le soap pendant une certaine période. Une disque qui se confirme puisque, une source a expliqué que Greg Rican et Elisabeth Hendrickson vont devenir récurrents et apparaîtront au besoin dans la série. Ainsi, leur dipat au sein du feuilleton N est pas acte. Par ailleurs, Kevin va dans les prochaines semaines retrouver son poste dans la police tandis que Klon va devenir la directrice marketing du Grand Phoenix. De plus, le couple aura un nouvel enfant. Bella aura un petit frère qui s'appellera Miles Mitchell Fisher. Les feux de Hell, Amour sont à retrouver du lundi au vendredi à 11h sur